Buongiorno, Ezio. Je suis content de vous voir, mère. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Est-ce que tu as récupéré de la nuit dernière? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Allons bon. Ce n'est pas très grave. J'ai une course à faire. Tu veux bien m'accompagner? Avec plaisir. Bien. C'est à deux pas d'ici. J'ai appris que tu t'étais battu avec Vieri. Qui, moi? Per piacere, ne joue pas ce jeu avec moi. Il disait du mal de nous. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je pense qu'il a du mal à supporter les accusations qui pèsent sur son père. Francesco De Pazzi a de multiples facettes, et aucune n'est très plaisante. Mais jamais je ne l'aurais cru capable de commettre un meurtre. Que va-t-il devenir? Je suppose qu'il sera jugé. Père sera-t-il témoin? Évidemment. C'est lui qui détient toutes les preuves. Tout de même, c'est dommage d'en arriver là. Tu n'as rien à craindre. Nous voulons tous que justice soit faite. Toute cette histoire est très regrettable, mais ce sera bientôt terminé. Nous y sommes. Bonjour, Leonardo. Madonna Maria. Voici mon fils, Ezio. Je suis très honoré. Tout l'honneur est pour moi. Laissez-moi aller chercher les tableaux. Je ne serai pas long. Il a énormément de talent. Je n'en doute pas. Pour profiter pleinement de la vie, il faut laisser sa créativité s'exprimer. Ah, si tu avais une vraie passion. Mais j'ai de nombreuses passions. Je ne parle pas de femmes, Ezio. Mère. Allons-nous chez vous à présent? Oui, oui. Ezio, aide Leonardo, veux-tu? Alors, Ezio, tu as un travail? Oui, il travaille avec son père. Ah, tu veux devenir banquier? Peut-être. Et toi? Tu es artiste. La vérité, c'est que j'ai encore du mal à trouver ma vocation. J'aime la peinture, mais j'ai souvent l'impression que mon travail manque de... Comment dire? De finalité. Tu comprends ce que je dis? Je voudrais que ma contribution soit... L'architecture, pourquoi pas? Ou l'anatomie? Pour moi, cela ne fait aucun doute. Merci, madone. Vous êtes trop aimable. Ne soyez pas timide, J'ai été ravi de te rencontrer. J'espère te revoir bientôt. Moi aussi.
Qu'est-ce que tu fais dehors, Petruccio? Tu n'es pas au lit? J'ai besoin de ces plumes. Pourquoi? C'est un secret. Si je vais te les chercher, est-ce que tu me promets de rentrer? Oui, c'est promis. Voilà, comme promis. Grazie, Ezio. Tu ne veux pas me dire ce que tu veux en faire? Si, mais plus tard.